Donc, je l'ai séché déjà en grande majorité avec ma serviette. Mais quand on touche, on sent qu'il est encore froid, humide dans le sous-poêle. Donc, maintenant, c'est le passage du sèche-cheveux. Donc, il ne va pas apprécier du tout. Faites-le à deux parce qu'il va avoir peur du bruit. Moi, je vais vous le montrer là uniquement pour vous donner un exemple. Oui, mon chéri, je sais, t'as peur, mais oui. Oh là là. Alors déjà, on va lui faire écouter juste le bruit du sèche-cheveux, juste pour qu'il se familiarise déjà. Je sais que t'as peur. Oh, t'aimes pas ça. Oh, il aime pas ça. Alors, juste le petit bruit. Pas hésiter à le rassurer. Vu que vous serez deux, il y en a un qui va vraiment le prendre dans ses bras pour le réconforter, le rassurer, et l'autre personne pourra à ce moment-là frotter le poil de cette façon tout en séchant en même temps pour que tout se passe le mieux possible. Donc là, je vais pas le traumatiser parce que on est tous les deux tout seuls pour le faire. Parce que je vous montre l'exemple, si maintenant je le tiens uniquement comme ça, si je suis seule et que je mets le sèche-cheveux, voilà, il a peur. Donc, vaut mieux être à deux, accompagné. Je vous ai montré bien une personne qui frotte le poil tout en séchant et l'autre qui réconforte le chihuahua. Alors maintenant, on dit un grand merci à Renato qui a participé à la vidéo, à mon chéri. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, sur ce, j'irai faire ma sieste après. Bien méritée, parce que ça épuise quand même d'être lavé. Bonne journée!